T'es pas innocent non plus. Si je m'en... Rappelle bien, c'était ton idée, le coup du Merlot. Je m'en veux tous les jours d'avoir eu l'idée de ce coup, de t'avoir rencontré, de pas t'avoir arrêté quand j'aurais dû. Mais je ferai pas l'erreur deux fois. Maintenant, s'il y a un problème, j'interviens. Ah ouais, le justicier. J'ai vu tes exploits. Le seul problème que je vois là, c'est toi. Et je vais régler ça. Donc on est en plein blackout en ce moment. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va vérifier ce qui va se passer si on n'active pas notre portable pour faire exploser le phare quand Jordi nous demande de passer son portable. Pour l'instant je vais juste chercher ça, pas pirater ça. Je l'avais déjà fait en vidéo mais bon c'est juste parce que je suis à côté, j'avais recommencé une partie, je vous rappelle. Hop. Donc là s'il pleut c'est normal hein. Parce que là c'est la fin et tout, du coup ils mettent une ambiance de pluie. La lune est cachée là. Voilà, hop. Il y en a un autre ici, je vais le faire tout de suite. Ça prendra pas longtemps. Oh non, saute pas. Je tente pas. Bon, je pense que je vais mourir sinon. Je vois rien du tout. Non, 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 j'ai fait sauter. Ça aurait pas été bon, ça. Je suis coincé. Hop, le justicier. Si, j'aurais pu sauter, en fait. Il y a beaucoup de pluie, hein. Oh, les bruits de voiture, c'est trop stylé, quoi. Parce que là, on est dans le blackout très dangereux. Par contre, une voiture, ça serait pas mal, s'il vous plaît. Une voiture s'il vous plaît. J'ai dit une voiture s'il vous plaît. C'est pas une rue piétonne ça. Non c'est pas une rue piétonne. Allez let's go. Oh au fait. Le petit easter eggs que j'ai toujours dit de My Little Pony. Juste ici, le petit truc bleu, là, vous le voyez. La clé. Ah, j'ai cassé même la porte arrière. Bon, bah tant pis, je te donne ta porte. Puis les morceaux de verre de ta vitre aussi, si tu veux. Là, je voulais le récupérer, celui-là, mais je suis mort. Juste avant, donc... j'ai sauté du pont, j'ai atterri, je suis mort. Alors... Hop, c'est bon. Non, attention. Ah, trop tard, madame. Alors, on va aller rejoindre Damien et on va voir ce qui va se passer. Quand il met deux fois un civil, elle a été blessée sur un civil, pour moi, ça veut dire qu'elle a été gravement blessée. Elle a été gravement blessée, pardon. Attention. Oh, alors, elle a échappé à la mort. Par contre, elle, ça lui a pas échappé. Un bateau, c'est bon. C'est marrant parce que c'est marqué trouver un bateau, aller rejoindre Damien. Et si on le faisait à la nage, qu'est-ce qui va se passer? Mission échouée, vous n'avez pas pris votre bateau. Lol. Où sont les pompiers? Parce que j'en entends, tu vois. Allez, c'est parti. C'est le phare. L'électricité n'a pas été coupée là-bas. Damien doit y être. Ah bah tiens, c'est ce que je pensais qu'il était là-bas. D'un seul coup, je me suis dit, tiens, il doit être au phare, t'sais. Ça part. Donc comme CB Gaff vous avait dit, ça c'est une fin à la Batman. On arrive là, toi et moi on a décidé de travailler ensemble. Prendre le truc à côté vite fait. On avait de grands projets, mais jamais de cette taille là. Regarde dehors. On a mis à nos pieds une putain de ville. Ouais. Pour ceux qui voulaient voir le let's play en entier, j'avais déjà fait du let's play dessus, ne vous inquiétez pas. Il n'y a qu'à aller le voir. Oh, doucement. Hein. Et voilà, je ne peux pas passer, je me suis bugué, bravo le jeu. Non, regarde par exemple une pierre comme ça. Non, Eden, c'est pas monté. Hein.
Ah si, mais il peut pas monter avec ses bras, bah non, bah non. Voyons, faut pas demander trop d'exercice à Aiden, hein. Il a des putains de mollets, mais c'est pas. Voilà, il peut pas monter. Par contre, ouais, l'endroit le plus chiant de la map, c'est Pony. Donc c'est un peu pas le désert, mais la campagne, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de roches, donc pour monter, c'est galère. On sait pas où là, parce que là, ça commence à m'énerver. Ah non, c'est de l'autre côté. Non, mais avec la pluie et tout, on voit rien. Il fait noir. Voilà. Ah, je crois qu'il y avait une arme, j'allais dire quoi, j'en ai jamais vu. Ouais. C'est bon, on peut y aller. Hop. Et ça me donne à quoi ça, hein? À rien du tout. Juste à ça, mais bon, on peut même pas sauter après, donc ça sert uniquement à rien le jeu, merci. Allez, c'est parti. Franchement, cette fin elle est vraiment stylée. Je peux pas vous mettre la cinématique de fin, mais vous inquiétez pas, vous aurez la cinématique de fin dans l'acte 5 de la vidéo que je ferai. Mais non, c'est. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas fait la mission là. Hein. Les autres missions que ça fait encore plus longtemps que j'ai pas fait, mais j'y arrive. Celle-là, non. J'ai mis le vêtement principal pour ça, parce que vu que c'est la fin, faut le vêtement principal. Donc regardez. Hein. Ah, il a fait parler juste avant qu'on arrive, c'était calculé, on va dire. Alors voilà. Donc ça, je vous le laisse. Allez! Quelle surprise! T'as prévu un speech, Damien? T'as quelque chose à dire? Ils savent qui je suis maintenant! C'est tout, t'as rien d'autre à dire. Hé! Hey, ferme ta gueule! Regarde-toi un peu! Tu te sers des gens pour attaquer un parrain de la mafia! Tu te crois tout permis parce que t'as causé quoi? Noble? Tu m'as manipulé. Voilà la vérité. Ah ouais, vraiment? Clara, c'est ta faute autant que la mienne. Pareil pour ta nièce. Voilà pourquoi ta famille est partie, non? Ils te connaissent bien. T'as un certain talent, Aiden. Mais il t'arrive aussi de perdre. Blablabla, la vache. Bah tiens, qu'est-ce qu'il fait là, Jordi? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Désolé, l'ami. Nouveau contrat. Et voilà. Jette ton flingue. Quoi? Alors que c'était son Jette ami. Jette ton flingue. Voilà, là, il le jette. Et en étant intelligent, il le pousse. Vous verriez vos têtes. Vous en faites vraiment une affaire personnelle. Il tirer, c'est ça quoi. Votre problème. C'est pour ça que tout a foiré. Attention, il est sur le téléphone. Hop, 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 le téléphone aussi. Hop, 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 hop. Donne-moi ça. Allez, envoie. Alors, qu'est-ce qui va se passer si j'appuie pas? Le prends pas mal, surtout. Ah, d'accord. Allez, à toi, maintenant. Hein? Damien aussi? What? Attends. Et qu'est-ce qui se passe si j'appuie mais après j'appuie pas pour Jordi? What? Ça va, je reviens ici. Et là, je passe mes dernières heures sur la promenade de la veuve. C'est comme ça qu'ils appellent le poste d'observation. Je vais passer la cinématique si ça vous dérange pas parce que. Ah, je vais essayer. Ah, je suis pas sûr qu'on peut le faire. Cette circonstance. Ça sent vraiment le sapin, toute cette histoire. Je me suis arrêté 2 secondes. Donne-moi ça. C'est bon. Voilà. Allez, envoie. Alors si j'appuie. Hop, et si je ne neutralise pas, qu'est-ce qui se passe? D'accord, paf. Et Damien aussi. Ah, il y a les tirs et Damien. Il y a les tirs.
Et ben voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas le petit like comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas fait, à partager la vidéo, à la commenter, ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ah, c'est fermé là derrière. Ah oui, bah c'est comme ça après que le jeu est bloqué. Allez, ciao tout le monde. Allez, quelle surprise! T'as prévu un speech, Damien? T'as quelque chose à dire? Ils savent qui je suis maintenant! C'est tout, t'as rien d'autre à dire. Hé! Hey, ferme ta gueule! Regarde-toi un peu! Tu te sers des gens pour attaquer un parrain de la mafia! Tu te crois tout permis parce que ta cause est quoi? Noble? Tu m'as manipulé! Et si on ne tue pas Damien, voilà qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, vraiment? Je viens d'avoir l'idée là, il y a 5 secondes. Clara, c'est ta faute! Ça on va le passer du coup. Allez, au revoir! Ça, hop, ça tu le pousses. Hop, Jordi, yop les. Il n'est pas mort, bien sûr. Et si on ne lui tire pas dessus? Bah, il nous tire dessus. La tête qu'il a fait. Voilà.